Good morning, Aleïda, les Yisro, aujourd'hui, il est le Nishmat Avraham, Chayin Orber, Ben Fortuné Mazal, Fortuné Mazal, Bat Louisa, Yedida Bat Esther, Chaya Bat Lova, Chamim Ben Rosa, si vous souhaitez aussi des prochaines études de Mishak, connectez à sa minute éternelle, nous étions au Sechet Bechot, par exemple, Mishnah Dalet. Edad Gdolot Keshel Egel, Oktanot Keshel Avaz. Goufo Gadol Me'evarav, Oktan Me'evarav, Chotma Gadol Me'evarav, Oktan Me'evarav, Hatzimem Ve'atzimea, Eize Utzimea, Sherosnav Ktanot, Ve'atzimem, Sherosnav, Domot, Listfog. On continue à découvrir d'autres défauts physiques qui invalident les Kohanim pour servir au Beth Amikdash. Pour rappel, dans Perek Vav, on avait appris les différents défauts qui invalident les animaux, qui ne peuvent plus monter sur le Misbéach. On a mis en évidence toutes sortes de défauts, d'asymétrie aussi. Et ça, c'est les défauts qui invalident même les animaux. On ne peut plus en faire des corbanotes. Pour les hommes, pour les Kohanim, pour servir au Beth Amikdash, la Torah a aussi précisé une liste de défauts. Mais ça se passe comme ça. On avait exposé dans la Mishnah précédente trois niveaux d'invalidité. Il y a les défauts communs avec les animaux, les défauts spécifiques aux Kohanim qui sont explicités par la Torah, et il y a par ça les défauts, une famille un petit peu particulière qu'on appelle les Marita'ain. On explique un peu mieux parce que ça implique trois sortes d'interdits et d'invalidité. C'est-à-dire, il y a des défauts physiques selon le cas. Un défaut physique, il peut soit on transgresse un interdit en général. Maintenant, le Kohen qui va servir alors qu'il avait un défaut physique, il transgresse un interdit de la Torah. Ça dépend duquel, mais en tout cas, il peut transgresser un interdit de la Torah. Et en plus de ça, il est possible que la avoda qu'il va faire, elle va être invalidée. Soit oui, soit non. Alors ça se passe comme ça. On a trois groupes de défauts. Les défauts qui sont communs avec les animaux. Alors, le Kohen, il est frappé. 39 coups, il a transgressé. Et en plus de ça, ce qu'il a fait, c'est invalidé. C'est comme si c'était un zar. S'il a un défaut, il a comme si c'était un étranger. Un Israël qui va faire une avoda, il invalide le korban. Et bien un Kohen qui a un défaut aussi, il invalide le korban. Ça, c'est les défauts qui sont communs aux animaux. Par contre, les défauts qui sont spécifiques aux hommes, aux Kohanim, la Torah était encore plus rigoureuse. Alors, dans ce cas-là, pour ces défauts-là, il transgressera l'interdit, il sera frappé. Mais la avoda, elle n'est pas invalidée a posteriori. Et à part ça, d'autres défauts que. Je ne suis pas assez clair parce que c'est Midoraita ou c'est Midarabanan. En tout cas, qui sont interdits, Mishum Marita'ain, que ça ne fait pas classe. Marita'ain, ce n'est pas comme dans les autres endroits de la Torah. Les autres endroits de la Torah, c'est Marita'ain, c'est de peur qu'on va soupçonner. Là, ce n'est pas le sujet, c'est aucun rapport. Les défauts de Marita'ain, c'est parce que ça ne présente pas bien. Mais là, ce type de défaut, c'est interdit que, a priori. Je ne sais pas ce que c'est Doraita ou pas. J'ai un peu oublié, en fait. Yaterim, Badam, Benanmama, Loke. Non, c'était ici. C'est pas précisé. J'ai pas vu est-ce que c'est Doraita ou pas, est-ce que c'est de la Torah ou est-ce que c'est Midrabanan, mais en tout cas, il n'est même pas frappé sur ça, donc à plus forte raison que la Voda n'est pas invalidée a posteriori. D'accord ? C'est important de préciser tout ça maintenant pour bien comprendre de quoi on va parler dans notre Mishnah. Le Perek Zayin, il a débuté en nous disant tous les défauts qui sont interdits pour les animaux, ils sont interdits pour les hommes. Et pour les hommes, il y a encore plus de défauts, et donc on est en train de découvrir maintenant dans nos Mishnayot les défauts qui sont spécifiques aux hommes. Donc, groupe 2. Donc, le Kohen, il se fait frapper, mais la Avoda n'est pas invalidée. C'est important de préciser ça pour comprendre de quoi on parle précisément dans ce début de Mishnah. Enav gdolot keshel egel. S'il a des yeux grands comme ceux d'un veau, ou ktanot keshel avaz, ou qu'il a des petits yeux comme celui d'un canard. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'on parle de l'iris, ou est-ce qu'on parle de tout le lobe de l'œil, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un défaut qu'il a des yeux qui sont différents de tout le monde. Et aussi, on continue tout de suite, comme ça, c'est déjà, Goufogadol Mevarav, Okatal Mevarav, c'est qu'il a son corps, c'est-à-dire son, je ne sais pas comment dire, son buste, son, dans le corps, on distingue le gouf, c'est essentiellement tout le ventre, la poitrine, tandis que le tronc, quoi, d'accord ? Pas les bras et les jambes. Donc là, maintenant, il y a une anomalie où, du fait qu'il a le tronc qui est très grand, par rapport à ses petits membres, ou au contraire, il a un tronc petit, tandis que les membres, les mains et les pieds, ils sont trop longs, ils sont plus longs. C'est pas précisé ici quel est le rapport exact entre le buste et le... Ouais, dans l'envergure de quelqu'un, quoi, exactement. Entre la proportion des jambes et des pieds. Je crois que ça se trouve dans ma Masechet Ohalot. C'est quand même précisé que... Je sais plus, je vais pas m'aventurer. Mais en tout cas, là, en tout cas, il y a une anomalie. D'accord ? Il a des jambes trop long par rapport à la taille de son corps, ou des bras trop longs, des mains trop longues, ou au contraire trop petites par rapport au reste du corps. Idem encore, Khotmo Gadol Me'evarav, O Katan Me'evarav. Il a un nez
Le chotem, c'est le nez. Un nez trop grand par rapport à ses membres, il a un grand nez, ou un trop petit nez. Vatsimer, vatsimer, on va revenir tout de suite. Pour le moment, je vais mettre le zoom sur le début de la Mishnah. On a parlé des yeux qui sont grands comme ceux d'un veau ou petits comme ceux d'un canard. D'accord ? Il y a maintenant, ça c'est un défaut spécifique aux hommes. C'est-à-dire, il y a dans les animaux, les défauts des yeux, de la taille des yeux, c'était que lorsqu'il y a une asymétrie. Un qui est plus grand que l'autre. Tandis que chez les hommes, si c'est un qui est plus grand que l'autre, alors c'est le même défaut que pour les animaux, ça appartient au groupe 1. Avoda, invalidé, et le coin est frappé bien sûr. Tandis que là, on est juste en train de parler qu'il y a une asymétrie. Il n'y a pas une asymétrie plutôt. C'est que c'est juste que c'est quelque chose de bizarre, de différent du commun des hommes. C'est dû d'un pasouk. Le pasouk qui se trouve dans Vaïkra, dans Parashat Emor. La Torah a dit qu'il faut Bechol Zera Aaron. La Torah l'a répété même deux ou trois fois dans toute la paracha. Par exemple, là, j'ai un pasouk ici. Kol ish asher bomum misera Aaron a Kohen. Toute personne qui aura un défaut, misera Aaron a Kohen. De la progéniture d'Aaron a Kohen, de cette insistance, il faut que ce soit misera Aaron a Kohen. On déduit qu'il faut qu'il ait une allure normale par rapport aux autres Kohanim. Qu'il ne soit pas différent des autres, qu'il n'ait pas quelque chose de choquant par rapport aux autres. D'accord ? Là donc, la Mishnah nous précise donc des niveaux 2, des groupes 2 qui sont spécifiques aux hommes. D'accord ? Autre précision par rapport au nez trop grand ou trop petit, c'est quoi la taille du nez ? Alors la taille du nez, le premier partenaire nous précise, c'est la taille du petit doigt. Ouais, je ne sais pas à partir d'où exactement on le met. Mais on le met entre les yeux, quoi, j'imagine. Et puis, si le nez, il fait la taille, du petit doigt, c'est un nez correct. Si c'est trop long, donc c'est un défaut. Ou trop court aussi, c'est aussi un défaut. Et à part ça, donc, on a la Mishnah qui a continué à me dire « Atzimem v'atzimea » qui sont deux défauts en rapport avec les oreilles, que la Mishnah va préciser tout de suite, c'est quoi ?« Eizeu tzimea » on commence avec le deuxième. Il y a « Tzimem et tzimea ».« Tzimem et tzimea », la Mishnah commence à me dire « Eizeu tzimea », c'est quoi le tzimea? Je traduis d'abord chez Oznav Knanot, qui a des oreilles toutes petites. Ve'atzimem, et le tzimem, l'autre, donc le premier qui est évoqué ensuite dans la liste, chez Oznav Domat et Sfog, je traduis, qui a des oreilles qui ressemblent à un Sfog, pas Spok, qui avait des oreilles pointues. Là, c'est Sfog avec un guimel, c'est qu'il a des oreilles qui ressemblent à un Sfog. Un Sfog, c'est une éponge. Qu'est-ce que ça veut dire que ça ressemble à une éponge? Alors regardez, il va y avoir une différence en fait. On va quitter tout de suite, on va pas d'abord entrer dans le Barthénor, on va d'abord proposer ce qu'il dit le Rambam, parce qu'il y a une symétrie. Très agréable, et c'est plus facile à expliquer. C'est que tu m'as dit au début, Timem, Timéa, c'est celui qui a des oreilles petites, donc logiquement, je lui dis, allez, Timéa, c'est quoi? Timem, c'est quoi? Bah, c'est le contraire, celui qui a des grandes oreilles. Donc justement, le Rambam, il nous dit, oui, exactement, c'est comme une éponge quand elle a grossi. Elle a des grosses oreilles. D'accord? Elle a ses petites oreilles ou des grandes oreilles. C'est les deux défauts évoqués selon le Rambam, donc qui ressemble à un Sfog. Le Barthénora, lui, il va selon Rashi, et on parle d'autre chose. Le Sfog, vous vous rappelez, c'était l'éponge qu'on est, il y a encore quand on était petit, on voyait encore ces éponges comme ça. Je ne sais pas de quel produit c'était produit. À l'époque, en tout cas, ça, c'était une sorte de plante de la mer. À partir d'elle, on faisait ce Sfog, cette éponge-là. En tout cas, elle avait la faculté, je ne sais pas si vous vous rappelez, des fois l'éponge, elle devenait complètement sèche et elle se ratatinait sur elle-même, elle s'asséchait, elle se refermait, d'accord? C'est ça les oreilles du Sfog selon le Rashi. Donc on n'a pas évoqué des grandes oreilles, on a juste évoqué soit des petites oreilles dans la taille, ou soit on a évoqué des oreilles qui sont toutes voutsot, ça veut dire qu'il a peut-être la taille de la chair, mais en tout cas elles sont toutes renformées sur elles-mêmes comme ça, complètement. Et donc, ouais, c'est sérieux, des fois on voit des gens qui ont des oreilles un petit peu comme ça, qui se referment beaucoup sur elles-mêmes, eh bien, il va y avoir un certain moment où ça va être un défaut physique qui invalide les Kohanim de niveau 2. C'est pas comme les animaux. Pour les animaux, c'était que les asymétries dans les oreilles. Ou bien si c'était fondu, bien sûr. Mais pour le moment, mais là, on parle des coanimes. On parle donc que c'est juste différent du reste. C'est pas comme le reste du Zera Rona Cohen. C'est pas comme les autres coanimes. Là, donc, c'est invalide de niveau 2. A posteriori, la voda, elle est quand même tolérée, même si le coanime sera frappé. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Slachakolto. C'est là.